Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Drissa Ramdé, coucou à toi. Joli Dao, je t'embrasse. J'ai vu ton numéro, j'ai vu ton appel, j'ai eu les appels. Chang le Dozo de Paris. Alu Maïga. Akissi et Bas Georgette, ma princesse. J'étais à Bassam chez toi. Sur le peuple Nzima, j'ai été, j'ai vu. Je te ferai part des dégâts. Sori Touré, bonsoir. Lamine Konaté, bonsoir à toi. Siaka Konaté, mon frère, bonsoir à toi. Merci. Bonsoir à vous tous. Brice Ivan, bonsoir à toi. Mon grand frère Topier, je te salue. Bonsoir à toi. Je reviens du pays, donc j'ai des nouvelles, j'ai des avancées, j'ai des choses à dire. Je vais faire rapidement un résumé de mon entretien, de mon audience avec le Premier ministre, le chef du gouvernement, le Premier ministre Koulibaly qui m'a reçu en audience. Donc voilà, connectez-vous, je fais un bref résumé. On aura le temps le week-end de plus. Rentrer dans tous les détails de cette audience. Et puis ensuite, je ferai un petit point sur la décision des juges au niveau de la CPI. Voilà. Donc bonsoir à tout le monde. Je vous emmène en musique. On parle de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je vous emmène en musique. Un peu avec ma Côte d'Ivoire. Wow, à vous tous, merci. Merci à tout le monde. Je vous vois connecté. Je vous embrasse très très fort. Pour l'amour des enfants de demain. Pour l'avenir de la nouvelle génération, de la prochaine génération. Pour l'amour de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous devons construire, bâtir ensemble notre fraternité, notre Côte d'Ivoire. Demander pardon ensemble pour rebâtir ensemble notre pays. Mes amis, oui, c'est vrai, j'ai été à Abidjan. Vous avez bien vu, moi-même, j'ai relayé sur les réseaux sociaux. J'ai eu, je peux appeler ça, c'était une fierté, oui, une fierté pour moi. Ça a été un honneur pour moi et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, je tenais déjà à vous dire merci. C'est grâce à vos encouragements, c'est grâce à vos idées. Parce que nous avons partagé ensemble des idées. Nous partageons ensemble des idées, des analyses. Parfois, on n'est pas d'accord, parfois, on est d'accord. Mais c'est grâce à vous qui relayez derrière toutes les vidéos que je fais sur cette page Idées de paix. C'est grâce à vous qu'enfin, notre voix porte désormais, que notre analyse, nous sommes écoutés désormais. C'est grâce à vous. Donc, je tenais aussi à vous dire merci pour tous, pour ces encouragements, pour tout ce soutien que vous m'apportez. Vous avez bien vu, c'est pas facile. On est dans un monde où il y a malheureusement beaucoup de misogynes, beaucoup de machos. C'est pas évident, c'est pas facile d'être une femme libre, d'être une femme simplement, d'être une femme comme vous êtes, vous les hommes, ce n'est pas facile. Et d'avoir cette liberté d'opinion, cette liberté d'expression. D'être une femme dans une société où encore il faut sensibiliser les hommes, il faut éduquer les hommes à respecter la femme en tant que femme simplement et ne pas réduire la femme à un objet sexuel. Donc on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, je voudrais vous faire un petit résumé, parce que j'espère, je souhaite. Avec votre volonté et votre contribution, votre participation, faire un résumé beaucoup plus élargi, avec beaucoup plus de détails, et que j'espère qu'on pourra se retrouver très bientôt, dans pas longtemps, autour d'un café citoyen pour débattre, discuter, analyser ensemble toutes ces thématiques. Nous avons émis à plusieurs reprises
notre volonté de rencontrer les autorités de notre pays. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est de notre droit et de notre devoir en tant que citoyen ivoirien de l'étranger, en tant que diaspora. C'est notre droit, c'est notre devoir de rencontrer nos autorités, d'avoir un dialogue direct avec nos autorités, d'avoir un échange avec nos autorités. C'est aussi notre droit de citoyenneté. Et ce droit de citoyenneté, en votre nom, en tout cas, vous, la majorité silencieuse, m'a donné droit à cette audience. Tout le monde ne pouvait pas être présent et on espère très prochainement, avec l'avancée des choses, des actions concrètes seront posées pour la diaspora. Donc j'ai été reçue en audience par le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Abidjan. J'ai été à Abidjan. Nous avons émis ses voeux de rencontrer les autorités, le président de la République Alassane Ouattara, son gouvernement, le chef du gouvernement. Donc j'ai été à Abidjan. J'ai été à Abidjan, j'ai été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mes amis, je voulais vous faire un point rapide sur cette rencontre. Parce que c'est aussi votre volonté. Ça a été aussi votre vœu. Ça fait partie de nos vœux à tous. Ce n'est pas que ma volonté à moi. J'ai porté votre voix. La voix de la majorité silencieuse. La voix de ceux qu'on n'écoute pas souvent. J'ai porté votre voix au cœur du gouvernement. J'ai essayé de porter et j'ai porté nos préoccupations, la préoccupation de la diaspora. J'ai porté les besoins de la diaspora. Une diaspora qui ne sait pas exprimer ses besoins, qui ne sait pas structurer ses préoccupations, est une diaspora inexistante. Et nous voyons sur le continent africain, les gouvernants ont du mal à cerner, quand je dis cerner, pas pour affaiblir la diaspora. La diaspora, généralement, joue un rôle politique, malheureusement. Les diasporas africaines sont généralement des bases arrière des opposants politiques, et c'est ce qui défavorise le rôle de la diaspora, le vrai rôle que nous jouons en réalité. En tant que diaspora, nous jouons un rôle social pour nos pays d'origine. Donc, pour nos États, nous jouons un rôle social. Nous jouons un rôle qui est le rôle normalement de nos gouvernants, de l'État. Le rôle de l'État, c'est de prendre en charge tous ses concitoyens dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social. Mais les diasporas que nous sommes, la diaspora ivoirienne, la diaspora ivoirienne, nous jouons un rôle social. Derrière chaque Ivoirien de la diaspora, il y a au moins 10 personnes qui sont soignées, 10 personnes qui vont à l'école, qui vont à l'école, donc qui ont accès à l'éducation grâce à un seul Ivoirien de l'extérieur. Il y a 10 personnes qui vivent décemment grâce à ce seul Ivoirien de la diaspora. Nous sommes combien d'Ivoiriens de l'étranger qui contribuent à la vie sociale dans nos pays, dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Nous sommes des milliers d'Ivoiriens qui aident nos familles restées au pays. Donc nous jouons un rôle très important dans le domaine social, dans le domaine de la fraternité, de la solidarité. Nous jouons un rôle très important. Mais malheureusement, la diaspora que nous sommes, nous ne sommes pas reconnus sur le plan institutionnel. Les institutions de notre pays ne reconnaissent pas la diaspora en tant qu'institution. Nous ne sommes pas reconnus. Pourtant, nous jouons un rôle clé dans la cohésion sociale. Nous sommes un vivier de l'économie solidaire. Nous jouons ce rôle-là, mais nous ne sommes pas reconnus ni par nos institutions, ni même par nos gouvernants. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça existe. Ce n'est pas le gouvernement actuel. C'est depuis toujours, et c'est presque dans toutes les diasporas. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui
Ensuite, organiser leur diaspora. Et les diasporas, aujourd'hui, je prends l'exemple du Ghana où la diaspora joue un rôle très important dans le développement, est structurée, est reconnue institutionnellement. Le Ghana, on a le Rwanda. La diaspora rwandaise a joué un rôle important pour le Rwanda, a permis au Rwanda de sortir définitivement de la crise rwandaise. La diaspora a joué un rôle de réconciliateur pour aider le Rwanda à sortir de ses difficultés. La diaspora était un rôle aujourd'hui, a un rôle de guise de protéger la cohésion sociale au Rwanda. Mais la Côte d'Ivoire, nos diasporas ivoiriennes, quel est notre rôle, mes amis? Voilà des sujets qui m'ont amené à Abidjan. Voilà les sujets sur lesquels j'ai eu cet entretien avec le Premier ministre, son Excellence Amadou Bon Coulibaly. Voilà des sujets sur lesquels nous avons discuté. Oui, parce que nous ne sommes pas capables de structurer nos besoins. Nous ne sommes pas capables de formuler correctement, intelligemment, nos préoccupations. Nous jouons des rôles d'opposants à nos gouvernements. Nous sommes une communauté ivoirienne. Nous sommes la diaspora ivoirienne. Nous ne sommes pas des opposants de nos gouvernants et de l'État, ni du président de la République. Donc, il y a des besoins de la diaspora. Il y a des préoccupations ici de la diaspora. Il y a des étudiants, depuis que j'étais à Abidjan, j'ai reçu plusieurs messages de beaucoup d'étudiants ivoiriens, ceux qui sont à Lille, ceux qui sont en Russie, ici à Nanterre, ceux qui sont à Paris. J'ai reçu beaucoup de messages de ces Ivoiriens, de ces étudiants ivoiriens qui sont dans le désespoir. Mais si la diaspora que nous sommes, si nous sommes conscients, si nous arrivons à dépasser nos passions pour être des citoyens, pour poser les préoccupations, pour poser les besoins devant nos autorités, je pense que nous serons beaucoup plus utiles pour le développement et nous jouerons un rôle important. Nous serons mieux reconnus, nous serons mieux représentés dans les pouvoirs de décision. Nous serons écoutés. Si nous continuons à être des opposants à l'État, si nous continuons à être des groupuscules, d'individus, qui offense régulièrement l'État, qui défie l'autorité de l'État. Quel rôle allons-nous jouer dans la société et quel rôle allons-nous jouer en tant que diaspora dans le développement et dans l'émergence de notre pays? Quelle place allons-nous prendre? C'est ce qui est important. Tous ces sujets ont été évoqués au cours de ce 30e avec le Premier ministre. Sans complaisance et sans complexe. Tous ces sujets ont été évoqués. Et je peux vous dire, mes amis, je peux vous dire et je peux vous assurer, le Premier ministre est conscient de nos difficultés. Le Premier ministre est conscient de nos difficultés. Il est à notre écoute. Le gouvernement et à notre écoute. Le président est à notre écoute. Qui dit le premier ministre, dit le président. C'est le président qui nomme le premier ministre, qui est le chef de son gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire est à notre écoute. Comment allons-nous porter nos préoccupations? Comment allons-nous porter nos besoins pour que, enfin, la diaspora ivoirienne soit reconnue institutionnellement? Pour que, enfin, la diaspora ivoirienne joue un rôle dans tous ces processus. Mes amis,
Je vous ai dit, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Nous sommes la diaspora ivoirienne. Nous sommes un peu comme les sacrifiés oubliés. Nous sommes les sacrifiés oubliés. Et ces sujets, je les ai portés sur la table du Premier ministre. Nous sommes des sacrifiés oubliés. Nous sommes dans la diaspora. À la fin du mois, c'est nous qui apportons le RSA à nos parents au pays. À la fin du mois, c'est nous qui apportons la sécurité sociale à nos parents au pays. C'est nous qui payons tout. C'est nous qui finançons tout. À la fin du mois, c'est nous qui assurons l'éducation de nos frères au pays. Je l'ai dit, derrière chaque Ivoirien de la diaspora, il y a au moins minimum 10 personnes qui sont prises en charge. Pas un Ivoirien de la diaspora. Dans la diaspora, quel est le salaire moyen d'un citoyen? Dans la diaspora, quel est le salaire moyen d'un Ivoirien? Combien d'Ivoiriens gagnent? Mes amis, soyons logiques. Et ayons le courage de dire aussi la vérité. Pour que nous soyons aidés, pour être accompagnés, il faut pouvoir dire tes besoins, dire la vérité pour qu'on puisse t'accompagner. Nous n'allons pas plus, nous plus mentir à nos parents restés au pays. Ici, nous avons des difficultés, nous souffrons, nous avons des besoins. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes la continuité de l'État. Nous sommes la continuité de la République. La diaspora, c'est la continuité de la République. C'est pour ça. Nous avons une ambassade. Nous sommes la continuité de l'État. À la fin du mois, le SMIC en France, il est à 953 euros, 1000 euros. Le SMIC de base, tu gagnes 1250 euros, 1500 euros par mois. Ton loyer à 900 euros, il te reste combien? 600 euros pour vivre. Les 600 euros, tu fais quoi? Tu payes ta carte Orange. Tu payes tes factures, ta nourriture. Il ne te reste plus rien. Tu vis à découvert. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois penser à tes parents au pays. Parce que tu as leur sécurité sociale, tu as leur RSA. Tu dois aider tes frères à aller à l'école. Donc, tu vas de découvert à découvert. De crédit à crédit. Écoutez-moi bien, mes amis. De crédit à crédit. As-tu le temps pour épargner, pour acheter une maison au pays? Non. Il ne te reste plus rien à la fin du mois. Parce que tu as joué presque le rôle que l'État devait jouer pour ses concitoyens. Nous adossons, nous portons ce rôle-là. Sans même être reconnus, nous jouons ce rôle-là. Nos épargnes partent au pays. À la fin de l'année, quand tu fais les calculs, minimum 150 euros que tu envoies tous les mois, à la fin de l'année, ce sont les épargnes. C'est cet argent-là que le blanc épargne pour construire son avenir et préparer l'avenir de ses enfants, pour laisser un héritage à ses enfants. Mais nous contribuons au pays. La diaspora joue un rôle important dans le social, dans la solidarité. Mais la diaspora n'est pas reconnue. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Connaître nos droits et nos devoirs. Devoirs et droits sont des pairs. Si nous connaissons nos devoirs, que nous respectons nos devoirs de citoyenneté, nous pouvons réclamer nos droits. Ces sujets ont été des sujets des discussions pendant cette rencontre que j'ai eue avec le Premier ministre. Donc, mes amis, je dis, je ne vais pas m'étaler sur tout. Nous aurons le temps d'en discuter. De vive voix autour d'un café, un café citoyen, je vous inviterai très rapidement pour ceux qui souhaiteraient
participer à cette discussion citoyenne, de venir ensemble en discuter pour pouvoir être utile. Parce que le Premier ministre est à notre écoute. Il est à notre écoute. Je voudrais remercier le Premier ministre. Je voudrais remercier le Premier ministre. Je voudrais remercier le président de la République. Oui. Je peux dire depuis dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire politique même de la Côte d'Ivoire, c'est le premier gouvernement qui a donné autant de responsabilités à la femme. Et après la mort de Faure Boigny, et même si je peux, oui, je dirais après, c'est le premier président, le président Alassane Ouattara, est le premier président qui a fait de l'émancipation de la femme, de l'émergence de la femme, de l'accompagnement de la femme, une de ses priorités. Une de ses priorités et qui est inscrit dans le programme du gouvernement. Et ça, c'est méconnu d'une partie de l'opinion. Je reviendrai sur cette priorité, la place de la femme dans nos sociétés. Avec le fonds d'accompagnement de la femme, des femmes qui entreprennent, il y a un fonds qui est mis en place. Mais toutes les femmes n'ont pas l'information au même moment, ne savent pas comment bénéficier de ces fonds-là. Et je reviendrai dessus avec plus de précision et comment bénéficier de ces fonds. C'est le premier président qui a mis ça en place en Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses comme elles sont et il faut avoir le courage de dire les choses, de dire au moins la vérité. Même si on n'est pas d'accord, mais il faut avoir le courage de dire la vérité. Prenons les femmes. Les femmes au sein du gouvernement sont valorisées. Donnez-moi le nom d'un président qui a autant valorisé la femme dans son gouvernement. Les femmes ont pris une place importante. Elles sont valorisées. C'est vrai qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses et que nous espérons avoir la parité. La parité, c'est ce qui va déranger encore quelques misogynes de l'opposition. Mais je pense qu'il est important, en tant que femme, que la femme puisse jouer son rôle, que la femme puisse prendre sa place. C'est en cela que je veux dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait de la place de la femme, de l'émergence de la femme, de l'émancipation de la femme, une de ses priorités. La preuve, mes amis, vous avez vu, quand je parle de misogynie, vous avez pu observer, depuis ma rencontre avec le Premier ministre, tous ces misogynes agités, complexés dans tous les sens, qui pour eux, la femme doit être réduite à un objet sexuel. Pour eux, la femme ne doit pas exister. Pour eux, la femme ne doit pas rencontrer le Premier ministre. Pour eux, la femme ne doit pas rencontrer le président de la République. Quand on parle de discussion, on doit toujours voir les hommes et non les femmes. On a vu ces militants et ces misogynes, leaders misogynes, puisque la troupe ressemble toujours à son chef. C'est l'image du chef que les militants donnent. Et quand on voit certains écrits, certaines vidéos, des hommes machos, peu ouverts d'esprit, intellectuels, mais limités. Quand on voit, on se dit, moi je dis, bravo au président de la République d'avoir nommé Bon Coulibaly comme son premier ministre, comme son chef de gouvernement. Grâce, c'est un duo. C'est le premier ministre et le président vont de pair. Grâce à eux,
La femme est libre. La femme est libre. Moi, je suis une femme libre. Et qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes libres. Nous ne nous pouvons pas condamner. Dans nos sociétés en pleine mutation, condamner la femme à baisser la tête quand elle parle. Condamner la femme à un objet sexuel. Condamner la femme à un objet de désir. La femme doit être libre. Parce que la femme aussi a des idées à défendre. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons une place à prendre. Je veux remercier le Premier ministre qui m'a accordé cette place, la place de la femme. Je l'ai dit, c'est un honneur pour moi, en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, mais en tant que femme. Parce que notre société est encore, malheureusement, on a encore beaucoup de responsables politiques, beaucoup d'hommes politiques, des militants politiques, des militants, des leaders politiques, surtout les hommes qui sont misogynes, qui prennent plaisir à insulter la femme de façon vulgaire, à aller même diaboliser la femme. Ils ont la haine de la femme. Ils ont le mépris de la femme. C'est misogyne. Mes amis, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Et je voudrais partager avec vous certaines choses que nous partagerons très prochainement ensemble. Mais je voudrais vous dire que j'ai rencontré un homme ouvert d'esprit. Contrairement à ce que on nous laisse croire habituellement, la rhétorique. Oh, Amadou Gon, c'est un homme fermé. C'est un homme qui n'aime pas les femmes. Il est très communautaire. Je vais vous dire une chose. Ces gens qui racontent ça sont eux-mêmes des misogynes. Sont eux-mêmes fermés. Il raconte la propagande, le mensonge, la manipulation. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que plus de citoyens découvrent qui ils sont en réalité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à véhiculer des mensonges pour garder, maintenir une partie de l'opinion dans l'utopie. Embrigader l'esprit. Pour que vous restiez condamné, condamné spirituellement, condamné. Un homme qui n'a pas l'esprit ouvert, qui est bloqué, fermé d'esprit, est un prisonnier. Quand l'esprit est fermé, tu es toi-même ton propre prisonnier. Donc, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Au cours de cet entretien, je découvre moi-même des choses que j'ignorais. Comme quoi, on dit, il faut toujours. C'est dans la Bible, c'est dit. C'est Saint Thomas. Ou c'est. Il y a un saint dans la Bible. Celui qui dit, aidez-moi, vous à côté. Celui qui dit, il faut toucher pour croire. C'est bien Saint Thomas. Saint Thomas qui dit, il faut toucher pour croire. Ne restez pas derrière votre écran. Et les gens racontent des mensonges. Ils répètent des mensonges. De l'intoxication, la désinformation. Ne restez pas derrière votre écran. Ouvrez l'esprit. Connaître l'autre, ça se connaître soi-même. Allez-y vers les autres. Ne restez pas sur tout ce qui est déjà préparé. Pour vous endormir, l'être humain, nous sommes tous des êtres vivants. Nous sommes tous des êtres vivants. On dit un être humain. Ce qui nous distingue de l'animal, c'est le raisonnement. Le raisonnement qui nous distingue de l'animal.
Mais si toi, tu es un être humain, que tu n'es pas capable de raisonner par toi-même, qu'on doit toujours raisonner pour toi, pour mettre dans ta tête, dans ton cerveau, tu ressembles à l'animal. Parce que lui, il manque de raison. Alors, soyons des vrais êtres humains. Des personnes raisonnées. Des personnes raisonnables. J'entends, oh, Gouza Naounou, avant, elle a défendu Babo. Maintenant, elle a pris photo avec Bon Koulibaly. C'est qu'elle est RDR. Ça s'appelle le manque de culture. Le manque d'éducation. L'éducation, ce n'est pas parce que ta maman t'a pas élevé, c'est pas ça. On peut élever un enfant et il peut manquer d'éducation. L'éducation, c'est la culture générale. Ce n'est pas on t'a élevé, ça n'a rien à voir. On va t'élever, c'est à part. L'éducation, c'est la culture générale. Toi-même, va chercher l'éducation. Lis. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, on a tout à portée de main. On a tout à apprendre facilement, sans dépenser grand-chose. On dit, mes parents n'ont pas l'argent pour me mettre à l'école. Mais tu t'abonnes à Cyber. Tu payes 500 francs, 1000 francs pour un pass. Pour aller t'asseoir sur Facebook, pour insulter quelqu'un parce qu'on t'a envoyé pour l'insulter. Mais prends les 500, les 1000 francs. Cultive-toi. Ouvre ton esprit au monde. Tu peux être en Côte d'Ivoire. Et tu vas savoir comment les gens vivent de l'autre côté. En Russie, même derrière la Russie. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit. La culture. Et je pense que c'est le problème. L'éducation est le problème d'une majorité de nos frères africains. On manque suffisamment de culture. Sinon, comment mes frères? On peut reprocher à une femme libre, à une femme citoyenne, à une femme engagée pour la paix, la cohésion sociale, la justice sociale. On peut reprocher à une citoyenne de rencontrer le chef du gouvernement. C'est la République. La République, c'est qui? Mais c'est nous-mêmes. C'est la République. La République, c'est nous. C'est vous, c'est moi, la République. Mais à la tête de cette République, il y a le président de la République. Le président de la République, il nomme son premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Le premier ministre forme son gouvernement. C'est lui qui a la gestion de la République, dont nous. Si toi, tu refuses de rencontrer le premier ministre, tu veux rencontrer qui? C'est eux qui nous représentent. Et c'est notre droit. C'est notre droit. Je dis, on veut avoir une audience avec le président de la République. On veut avoir une audience avec le chef de son gouvernement, le premier ministre. On veut une audience avec tel ministre. Parce que nous avons un projet. Vous voyez, mes amis, ces gens qui sont dans la caricature, dans la diabolisation, dans le mensonge perpétuel, dans l'intoxication continue, sont des gens sans idées, sont des gens sans projet, sont des misogynes complexés, qui pour eux, mais pourquoi c'est une femme qu'on reçoit? On devrait recevoir un homme. Mais messieurs, sachez que la femme a sa place. Messieurs, je vous informe que le président de la République a fait de la place de la femme une de ses priorités. Vous, les femmes, prenons la parole. Jouons notre rôle pour prendre notre place. Nous avons droit. Nous avons aussi droit. Je ne dis pas cela parce que je suis une féministe. Mais je pense que la société africaine a vraiment besoin de se réformer et que les politiques, les responsables politiques, de partis politiques,
puissent adapter leur langage pour éduquer leurs militants. Et j'en viens. Pour conclure, juste sur notre rencontre, donc votre rencontre, c'est une autre initiative que nous avons, que j'ai portée. Ce n'est pas Gouzana ou nous seuls qui portent, mais c'est avec vous, mes amis. Je remercie encore sincèrement le Premier ministre, Amadou Bon Koulibaly. Je remercie tous ses collaborateurs, ces âmes qui m'ont accompagné tout au long de mon séjour à Abidjan, qui étaient avec nous pendant l'audience d'ailleurs. Ils s'y reconnaîtront. Je remercie les âmes invisibles dont je tairai le nom. Je remercie le président de la République. Parce que beaucoup ignorent les institutions républicaines. Beaucoup ont peu de culture sur les institutions. Quand le Premier ministre reçoit Gouzan Daouno, sachez que c'est aussi le président qui m'a reçu. C'est ça aussi la République. Le président et son Premier ministre. Je veux juste leur dire merci. Merci à mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris. Regardez, je vous donne une anecdote. Moi, j'arrive à Abidjan. J'apprends que le Premier ministre avait des grandes écoles. Je dis, mais c'est pas ce qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux. Ah bon? Ah oui. Donc je m'informe. Je vous dis, vous avez tout, vous tapez juste dans Google biographie du Premier ministre Amadou Bon Koulibaly. Vous avez sa biographie. Vous avez sa biographie. Donc pour vous dire que mes amis, le président n'a pas mis n'importe qui à la tête de son gouvernement. Je comprends pourquoi d'ailleurs nous avons les femmes, en tout cas la femme, a la chance d'être d'avoir cette émancipation. L'émergence de la femme, nous voyons l'émergence visible de la femme, en tout cas dans nos sociétés, et que nous espérons, nous prions que ça dure et que ça continue. Que la femme ivoirienne, la femme ait sa place, toute sa place dans notre société. Le Premier ministre est un technocrate qui a fait des grandes études. C'est un ingénieur qui a fait ses études en France, dans des grandes écoles. Tu te dis, waouh! Mais c'est pas ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. C'est un technocrate. Mais ces petits hommes sont toujours dans la caricature, qu'ils ont peur qu'on aborde les vrais sujets. Mes amis, je vous ai dit, je viendrai en long et en large sur ces sujets. Je viendrai en long et en large sur ces sujets et nous débattrons ensemble et nous en parlerons ensemble. Sachez une chose, saisissons cette chance. Saisissons l'opportunité qui nous a offert. Allons-y au contact de nos autorités. Discutons avec nos autorités. Sachons interpeller nos autorités. Sachons formuler nos vœux, nos besoins et nos préoccupations afin d'être entendus et écoutés. Je vous ai dit au début, le Premier ministre est à notre écoute. Diaspora ivoirienne, qu'elle soit en Afrique,
qu'elle soit en Occident, le premier ministre est à notre écoute. Toi, Ivoirien de la diaspora, que veux-tu? Comment tu comptes participer au développement de ton pays? Comment tu penses être utile pour l'émergence de la Côte d'Ivoire? Parce que en tant que diaspora, le rôle que nous jouons, nous ne pouvons pas rester en marge de l'émergence. Nous ne devons pas rester en marge de l'émergence. Mes amis, j'ai aussi porté la préoccupation. La préoccupation des besoins à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je ne rentrerai pas dans tous ces détails. J'espère et je souhaite très bientôt rencontrer une délégation de personnes motivées, de personnes conscientes, des personnes sensées, des personnes raisonnées qui pensent projet commun et non projet individuel. Le Premier ministre l'a réitéré. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment chez les Ouais, c'est un territoire très fragile dont le Premier ministre est à l'écoute. Il est à l'écoute. C'est un territoire qui a payé le plus lourd tribut, qui a payé lourd et qui manque d'infrastructures, par exemple. Qui ne sait pas exprimer ses besoins. La passion politique de certains détruit le projet commun. Nous devons faire attention. Ce territoire est très fragile. Il y a des besoins réels. Et il y a de vraies préoccupations. Nous avons discuté de toutes ces difficultés, de tous ces besoins dans cette région de la Côte d'Ivoire. Et nous devons avoir un comportement raisonné, raisonnable, un comportement citoyen pour penser à l'intérêt commun et non aux intérêts individuels des uns et des autres. Comment bâtir ensemble, vivre ensemble? Comment construire ensemble notre vivre ensemble? Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous avons des enfants en commun. Nous avons une histoire commune. Nous avons un territoire commun. Comment bâtir ensemble? Tous ces sujets sont aussi très importants. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure qu'il faut vraiment qu'on puisse se rencontrer. Pour ceux qui le souhaitent, je le dis, d'ici quelques heures, je mettrai le numéro sur lequel vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse, autour des cafés citoyens, discuter, réfléchir sur toutes ces préoccupations, tous ces besoins, pour que ensemble nous puissions être plus efficaces quand l'occasion, l'opportunité se présentera à nous. Et je pense que c'est très bientôt. C'est très bientôt. Donc, mes amis, à vous, si vous me suivez, je ne suis pas sur ma page, donc je vais me connecter sur ma page et vous dire, pour qu'on puisse continuer notre entretien sur l'actualité. Donc, pour conclure, merci à Monsieur le ministre Amadou Koulibaly. Merci à vous. Merci pour ce respect que vous accordez à la femme. Merci pour cette place que votre gouvernement accorde à la place. Transmettez mes sincères remerciements au président de la République, au chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci à tous vos gouvernements. Nous, en tant que diaspora, nous sommes disponibles. La balle est dans votre camp.
Nous vous attendons pour contribuer ensemble à cette idée de paix. Construire ensemble l'idée de paix. La balle est dans votre camp. Nous attendons et nous sommes très impatients. J'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de citoyens se mobilisent, sont très impatients que les choses se fassent le plus rapidement possible. Mes amis, continuons sur j'ai vu un peu des inquiétudes, donc je tombe sur l'autre sujet qui est j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux beaucoup de militants, donc je citerai les noms parce que je pense qu'il est important de les citer. J'ai vu beaucoup de militants, certains militants pro-Gbagbo, pro-Soro, qui ont un langage de haine à l'encontre de la femme en général. Je ne dirais pas moi parce que moi je dis, j'ai le dos large. Donc moi les injures, ça me glisse vraiment sur la peau, je les prends comme une crème. Et puis je peux vous dire, ça me fait une couche supplémentaire. Ce qui fait que ça me glisse encore sur la peau. Plus on a fait des caricatures, plus j'ai des abonnés, donc je peux même vous encourager à en faire. Voilà, donc ça tombe très très bien. Mais ce qui est inquiétant dans toutes ces expressions que j'ai lues sur les réseaux sociaux, ça c'est une remarque personnelle, j'en parlais même ce matin avec, hier ou ce matin avec Marie, je disais mais... C'est bizarre. Tu as des hommes qui se disent plus chrétiens, qui sont mis d'une vulgarité sur les réseaux sociaux qui est phénoménale. Ceux qui te louent Jésus en longueur de journée sont très vulgaires sur les réseaux sociaux. Même les hommes, certains pasteurs, mais quand ils parlent de la femme, ils parlent de la femme avec mépris, avec haine. Ils rabaissent la femme à un objet. Mais ils se disent chrétiens. Donc je disais, mais enfin, Jésus là-haut, est-il un démocrate ou un dictateur? C'était la question que je me posais. C'est une question de réflexion. Vous voyez, enfin, ça c'est personnel. Je suis en train de réfléchir. Je dis ça au mari, mais je ne comprends pas. Des gens qui sont chrétiens et qui sont plus vulgaires, ils veulent quand même ça qu'ils sont musulmans. Parce que les musulmans, ils ont encore de la pudeur. C'est, je vous dis, c'est vraiment le constat que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour opposer les religions, mais j'ai fait un constat. Donc, je pense que les hommes de Dieu devaient avoir un comportement exemplaire. Avoir un comportement exemplaire et puis essayer d'éduquer vos fidèles un peu. Parce que les langages de vos fidèles ne sont pas à l'image de Jésus. Donc, on peut se poser toutes ces questions. J'ai vu des pro-Gbagbos. Voilà. Des pro-Soro. Qui, dans leur langage, quand ils insultent la femme, tu te poses des questions sur la personnalité, le personnage de leur leader. Et j'en viens. Quand tu es un militant ou un sympathisant d'un personnage politique, d'un leader politique, ton comportement reflète la personnalité de ton leader. Mais vous, sur les réseaux sociaux, vous êtes très vulgaire. C'est vous qui insultez le compte de la main des gens. C'est vous qui insultez le compte des gens. Pourtant, vous êtes tous des chrétiens. Presque, pratiquement, vous, les nouveaux chrétiens. C'est les nouveaux chrétiens. La femme, vous réduisez la femme à un objet sexuel. Tous vos débats se tournent sur le sexe. Parce que pour vous, la femme n'est pas intelligente. Pour vous, la femme ne doit pas exister en tant qu'une femme intelligente, en tant qu'une femme libre, en tant qu'une femme audacieuse, en tant qu'une femme qui ose. Donc pour vous, une femme audacieuse qui s'assoit avec un premier ministre, c'est la panique pour vous. Votre misogynie, c'est-à-dire, ça vous dépasse. Donc vous devenez vulgaire, impulsif. Le côté animal vous ronge. Vous perdez la raison. Je dirais que vous ressemblez à vos leaders. Puisque
Vous incarnez une image. Dans vos leaders, le comportement de vos leaders que vous exprimez, faites très attention. Parce que je pense que là, il y a un problème d'éducation. Et j'ai toujours interpellé les partis politiques d'éduquer leurs militants. Éduquez vos militants. Éduquez vos militants. Ce genre de langage, de personnages politiques, de responsables politiques, doit être sanctionné et condamné dans notre société. On ne peut plus se permettre. Les choses bougent à grande vitesse. On ne peut plus se permettre de réduire la femme à une image de sexe. On doit condamner ce genre de pratique et ce genre de comportement. Le respect de la femme, le droit de la femme, la place de la femme. Je peux vous dire, ça démontre le mensonge que vous avez raconté sur le Premier ministre Gon Coulibaly. Vous nous avez expliqué à toutes les sources, dans plusieurs vidéos, pour faire de la propagande. Mais j'ai dit, c'est un homme. En plus, il a de l'humour. On dit, il ne rit pas, mais il a de l'humour. Parce qu'on en a bien rigolé. Vous voyez, il a de l'humour. Donc, s'il vous plaît, notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin d'évoluer. On a besoin d'avancer. Les choses bougent. C'est vous qui êtes derrière votre écran qui ne voyez pas. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Les choses bougent. Abidjan se transforme. La Côte d'Ivoire se transforme. Ne restez pas en marge du développement. Je dis, c'est le dernier train qui passe en 2019. Soit vous montez, vous restez à quai. Les choses bougent. La Côte d'Ivoire se transforme. Je suis parti, l'autoroute qui va à Bassam. Mais tu es étonné. Le tramway, la rue du tramway, tout au bord qui quitte à Niamey, tout au bord jusqu'à qui passe vers Port Boué, tout au bord qui va aller à Bassam. Mais la mer est dégagée. L'échangeur au niveau de Trècheville, pas très loin du carrefour, pour que les gros camions de livraison puissent passer. Et en construction, la Seine à Abidjan, la Seine à Abidjan, au niveau du plateau. Mais c'est une merveille. C'est Petit Monaco en plein cœur d'Abidjan. Petit Monaco en plein cœur d'Abidjan. Abidjan se transforme. La Côte d'Ivoire devient une plateforme financière. Leader, bientôt, vous êtes assis derrière vos claviers en train de véhiculer des mensonges, propagande. Pourtant, vous vous cachez, vous partez à Abidjan. Vous partez tendre la main aux gens à Abidjan. Attention. Cette vérité-là, il faut sensibiliser les citoyens ivoiriens. Vous trompez les Ivoiriens dans votre mensonge. Et vous partez derrière. Vous discutez, hein. Moi, je lancerai un message spécial au gouvernement et au président de la République. Les clandestins qui se cachent pour les audiences, là, il ne faut plus accepter. Il ne faut plus accepter. Tout doit être visible et lisible. La transparence. La transparence. À force de vous cacher, 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 quand vous quittez là-bas, vous mentez. Et pourtant, vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous dites, ah, moi, j'ai rencontré un tel. Vous êtes des milliers. Combien d'entre vous ont le courage de venir sur les réseaux sociaux ici pour dire, j'ai rencontré tel ministre à telle heure, tel jour. Voilà le sujet que nous avons porté. Quand tu vas rencontrer une autorité, que tu n'es pas capable d'avoir un sujet, tu es un mendiant. Donc tu es obligé de te cacher. Tu es obligé de te cacher. J'ai des projets, moi. J'ai des idées. Nous avons des idées. Et nous devons porter nos idées sur la table de discussion. Pourquoi on va se cacher? Nous sommes des citoyens. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un message. Il y a le congrès, on me dit, oui, Gouzé est parti à Abidjan, il est parti pour le congrès du RHDP. Je suis une citoyenne ivoirienne. Je suis une citoyenne ivoirienne. J'ai des milliers d'Ivoiriens qui me suivent, qui sont des citoyens, qui sont cette majorité silencieuse. Si le RHDP qui organise son congrès,
Mais bien au contraire, j'invite le RHDP à inviter des citoyens à leur congrès. J'invite tous les partis politiques à inviter la société civile à leur congrès. Mais c'est ça. Parce que tant que il n'y a pas des observateurs de la société civile, pas une société biduée, mais une société civile qui apporte une analyse avec du recul, mais ceux qui se nourrissent de mensonges et de propagande seront très actifs toujours à mentir sur les réseaux sociaux. Mais si il y a une société civile qui prend du recul, qui analyse à froid, sans passion, cette société dit attention. Un congrès, c'est quoi? C'est faire passer sa vision, expliquer sa vision de la société. Pourquoi? Si je suis invité en tant que citoyenne, mais j'irai! Si le FPI fait son congrès qui m'invite, j'y vais! Si le PDCI fait son congrès qui m'invite, mais j'y vais! Tu te sens pas pour critiquer? Si tu n'es même pas capable d'avoir de vrais éléments d'information. Maintenant, t'as assis sur, tu te réveilles pour mentir sur Facebook. Aujourd'hui, là, on a fait ceci. Les riches sont venus. Les riches sont en l'air. Jésus est descendu. Le ciel est ouvert. J'ai vu Marie. C'est quoi tout ça? Les choses avancent et les choses bougent. On ne peut plus continuer à mentir à l'opinion. On ne peut pas désinformer l'opinion. Nous devons construire dans la vérité, dans la transparence. C'est pas parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir, qui est président, que moi, tu vas te dire, comme c'est Ouattara, je dois toujours mentir parce que c'est Ouattara. Mais non, c'est Ouattara. Tu dois être capable d'être utile. Utile intelligemment. Demain, ça va être Pierre Paul, mais il faut que tu sois utile intelligemment. Après Pierre Paul, ça va être Jean, mais il faut que tu sois utile intelligemment. Mais tu ne peux pas passer ton temps à dire, comme c'est pas mon gars, je dois mentir. Moi, je dois mentir. Je dois mentir. Tu te mens, tu mens à qui? Tu mens à toi-même. Parce qu'à un moment donné, les gens iront voir. Et moi, je vous invite à être Saint Thomas. Voir pour croire. Voir pour croire. J'y suis allé. J'ai vu. J'ai entendu. Mes amis, toi, tu dis, les gens ne sont pas ouverts. Est-ce que toi-même, tu es ouvert d'esprit? Toi, tu dis, les gens sont fermés. Est-ce que toi-même, tu es ouvert d'esprit? Toi-même, tu proposes quoi en tant que citoyen? C'est quoi tu proposes? Ton raisonnement à toi. Parce que toi, tu as ton nom. Donc, tu dois savoir raisonner. Tu ne peux pas prendre le raisonnement de quelqu'un pour faire ton raisonnement. Il faut que tu arrives à discerner ton raisonnement à toi. C'est lequel? Soyons des citoyens utiles. Et sortons de cette forme de propagande, de misogynie, de mensonge. Des gens se jouent l'effort dans la caricature. Mais ce serait bien d'être plus intelligent. Et d'être fort dans l'analyse. D'être fort dans la réflexion. Tu passes ton temps à faire des caricatures. Caricature sur les gens. Mais tu es un pauvre type, tu es un pauvre malheureux. Tu es incapable, tu es inutile pour toi-même. Même tu es inutile pour la personne dont tu dis tu soutiens. Puisque tu es nuisible pour son image. Éduquez vos militants. Et moi, ce qui me peine, c'est que quand même au FPI, il y a beaucoup de professeurs. Mais la tristesse, c'est qu'il y a peu qui sont ouverts d'esprit, il y a peu qui sont cultivés. Il y a beaucoup de professeurs, mais ils sont beaucoup limités. Ouvrez-vous pour éduquer vos militants. Et c'est pareil aussi chez les prosoros et puis les radicalisés des bédiéistes. Ouvrez votre esprit, dialoguez, parlez, discutez, même quand on n'est pas d'accord, on écoute. Tu peux ne pas être d'accord et tu l'écoutes. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu donnes des arguments, il faut savoir argumenter. Donc l'éducation, là, c'est ça. Ce n'est pas d'être diplômé. Hein? La culture, ce n'est pas forcément d'être diplômé. C'est une ouverture d'esprit. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. C'est ton droit. Moi, j'argumente. Mais toi, tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu es capable d'argumenter? Si tu n'es pas argumenté, tu es nul et inutile. Et c'est vraiment dommage. Je pense que chaque être humain sur la terre, nous avons un rôle à jouer. Un rôle positif. Un rôle positif. Ne passons pas le temps à jouer le rôle négatif. Jouons un rôle positif.
Mes amis, je vais rapidement conclure sur la décision des juges de la Cour pénale internationale, donc, là où sont incarcérés, enfin, pour l'instant, pour l'heure, nos deux frères, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, je voulais rapidement vous m'avez écrit beaucoup, hein, beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont interpellé, beaucoup. Mais je trouvais ce qui est drôle, c'est que il y a beaucoup, tu vas sur les profils, mes amis, Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Et puis, on vous dit, ah, c'est les réseaux sociaux, disent, on l'a libéré, Gbagbo, il est acquitté, et puis ils sont inquiets. Mais, tu viens sur le mur de la procédure à cause de Gbagbo. Mais si on l'a libéré, tu vas être content? Pourquoi tu es inquiet? Donc, vous voyez, c'est pas ça le sujet, mais je voudrais rapidement vous parler, et puis je terminerai, hein, sur Bassam. Akissi Eba, je te suis, je t'ai pas oublié. Vous avez les juges de la CPI donnent leur décision. Donc, je pense que la décision était en fonction de la demande des avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, comme c'était c'est un jugement qui est conjoint, c'est un procès conjoint, qui ont donné leur... une demande de liberté provisoire avant les vacances de Noël. Et la reprise de la CPI après les vacances, c'était le 7 janvier, il devait avoir une reprise ou il devait avoir une réponse qui devait être donnée. Il y a trois juges qui ont délibéré, il y a deux qui ont demandé une liberté immédiate de nos deux frères prisonniers. Et puis il y a une qui n'est pas d'accord et qui n'a pas voté pour la libération immédiate. Donc, il y a beaucoup... Ce qui est normal. Les partisans de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé, c'est normal. C'est aussi un ouf de soulagement. C'est normal, ils se mettent à danser, à jouer, à rire, à danser de joie. Ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je voudrais appeler les militants de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à... Je dirais à la raison. Je ne m'étalerai pas dessus, mais je veux appeler les militants de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé à la raison. Vous savez, le droit, c'est le droit qui fait et c'est le droit qui défait. C'est le droit qui fait, c'est le droit qui défait. Mais cette libération qui n'est pas encore... attention, vraiment, je mets au conditionnel parce que je ne veux pas... Cette libération, si elle est... On verra d'ici demain ou après-demain, la décision du juge, si elle est maintenue, ou si le procureur fait appel pour casser la décision. Parce que le procureur n'a pas coordonné son dernier mot. Si le procureur fait appel pour casser la décision, ça veut dire quoi? On va repartir à zéro. On va recommencer encore. C'est ce que ça veut dire. Donc, appelez votre militant à la raison. Appelez votre militant à la raison, à l'intelligence. La passion, là. Votre passion là, votre euphorie là, c'est ce qui a mené Gbagbo et Blé Goudé à la haie. Votre comportement là, c'est ce qui a mené Gbagbo et Blé Goudé à la haie. Votre vuvuzela là, c'est ce qui a mené les deux là à la haie. On les a attrapés au plateau. Hein. Votre cri n'a pas libéré les gens. On les a menés à Korogo. Hein. Votre bruit n'a rien fait. Ils étaient à Bidjan, en Korogo, là. On ne vous attendait pas. À deux pas de chevaux. On les a pris à Korogo, on les a menés à la haie. Vous avez dansé autour de la prison. Ça n'a rien fait. Si vous étiez calme, posé et raisonné et réfléchi,
Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et moi, je voulais en profiter pour dire aux autorités ivoiriennes, pour dire au président de la République, de ne pas regarder le comportement de certains probables. De ne pas regarder le comportement de certains pro-Soro. Parce que si on veut regarder leur comportement, de leurs sympathisants et militants, ils vont courber en prison pour rien. Si on veut regarder leur comportement, ils vont courber en prison pour rien. Et je voulais dire merci au président pour son discours à la nation. Et pour l'amnistie à Simone Gbagbo et aux prisonniers. Les gens n'ont pas de recul, n'ont pas d'analyse. Ils sont tellement abrutes, passionnés, qu'ils ne raisonnent pas. Ils ne réfléchissent pas, ils n'analysent pas les faits, les choses. Ils ne voient pas les signes. Ils ne voient rien. Ils font du bruit. Ce n'est pas le fait de faire du bruit que vous êtes beaucoup. Dans un village là, il y a du monde. Hein? Il y a deux qui font bruit la nuit et qui dérangent. Non, parce qu'ils sont beaucoup, mais ils sont deux. Donc votre bruit, il ne faut pas pour vous une masse. Donc doucement. Doucement. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Depuis que je fais mes vidéos là, si vous prenez le temps d'écouter, doucement. Votre comportement envoyé Gbagbo à la CPI a un blé goûté. Votre comportement, je l'ai toujours dit. C'est la loi qui fait. C'est la loi qui défait. C'est le droit qui fait. C'est le droit qui défait. Doucement dans votre comportement. Doucement dans votre comportement. Dans le pays, on a vu, vous ne pouvez rien faire à quelqu'un. Donc doucement dans votre comportement, les deux là, ils vont retrouver leur liberté doucement dans votre comportement. Le président l'a dit dans son discours à la nation, sa volonté de ramener tous ses frères au pays. Si les juges aujourd'hui disent une liberté immédiate, toi tu t'assois, celui qui prend son chapelet il prie, celui qui prend sa Bible il prie, celui qui prend son courant il prie. On a qu'à se calmer doucement. Ils vont venir nous trouver. Vous agitez partout. Vous agitez partout. Vous pouvez faire quoi dans ce pays-là? Vous pesez combien? On a vu, hein? On a vu, hein? Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas inscrire sur une liste électorale. Même si Gbagbo sort du même pays, les candidats-là, il ne peut pas avoir 5%. Dans le pays-là, il ne peut pas avoir 5%. C'est moi, il dit. Je suis parti, j'ai vu. Il ne peut pas avoir 5%. À votre propre sein, vous êtes divisé, fracturé. C'est Simone Gbagbo qui a laissé Gbagbo pour être candidat. Donc, il n'y a pas là déjà là. Vous êtes découpé en morceaux. Qui va voter pour qui? Doucement. Donc, vous criez. Et en plus, ce qui est un peu bête. Excusez-moi du terme, un peu bête. Vous faites des vidéos, vous parlez de Djoula. Mais toi, tu fais vidéo que tu ne vois pas dans le bac. Toi-même, tu as à pied. On regarde tes chaussures là. Tu n'avais pas une bonne paire de chaussures pour commencer. Toi, tu as voiture. Sinon, tu ne vois pas dans le bac, tu viens de la voiture. Voilà. Donc, doucement. Doucement. C'est la loi qui fait, c'est la loi qui défait. C'est le droit qui fait, c'est le droit qui défait. Doucement. Votre comportement a mené ces deux-là là. Et vous n'êtes même pas capable, depuis 8 ans là, vous, votre cri là, vous avez dansé à ces pays, ça a apporté quelque chose. Il y a des hommes et des femmes qui se battent au quotidien, coupés dans l'ombre, qui vont ici, pour que tous nos frères rentrent au pays. Ce n'est pas vous, votre danse là, bébé, qui va faire quelque chose. Il y a des hommes et des femmes. Donc, doucement dans votre comportement. Doucement dans votre comportement. Vous criez là, vous aimez Gbagbo, puis on l'attrape devant vous. Vous aimez Gbagbo, puis il est en prison, puis vous n'êtes pas capable même de le sortir un jour. Il faut des hommes et des femmes se battre ici pour que cela puisse rentrer au pays. Et c'est vous qui criez encore, doucement.
Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. J'ai dit, on espère pour eux. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Ça a été la volonté du président dans son discours. Quand il a fait l'amnistie, la CPI a dit oui, la décision de la Côte d'Ivoire, ça n'engage que la Côte d'Ivoire. Nous, on demande Simone, il faut qu'elle vienne. Le président a réitéré encore sa volonté qu'aucun Ivoirien ne puisse rester. Faire la prison en dehors du pays, ou puisse rester encore à la CPI. Et il a fait réitérer qu'il n'a pas envie d'amener un Ivoirien à la CPI. Je pense aussi que vous avez suivi une conférence du Premier ministre, où le Premier ministre a réitéré encore la volonté du président. Donc quand vous avez tous ces indices-là, adaptez votre comportement à ça. Adaptez votre comportement à ça. À crier, 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 crier là, ça ne donne rien. Vous tremblez pour rien. Vous ne pouvez pas changer quelque chose. Simone est sortie de prison là. Elle est frère qui dans le pays là? Elle est seulement à Mossou. Elle est frère qui? Elle est sortie de prison là. Vous avez vu le gouvernement de Ouattara changer? Elle est sortie de prison là. Ça empêchait le LHDP d'avoir de rafler toutes les mairies. Elle est sortie de prison là. Ça empêche quelqu'un dans le pays là. Donc doucement. Doucement mes frères et sœurs. Doucement dans votre comportement. Doucement. Priez pour ceux qui peuvent prier. On attend ce que va dire le procureur McDonald. Ou McDo, comment on appelle McDonald. Ce que va dire le procureur. Si le procureur ne fait pas appel à ce moment-là, ils seront effectivement la décision. Ne fait pas appel à la décision du juge. Pour l'instant, le procureur n'a pas encore donné sa décision. Les gens, on voit des émissaires ici. Et puis c'est vous qui dansez déjà, vous faites des vidéos, vous insultez les gens. Vous pouvez faire quelque chose, puis l'État à Korogo, vous n'avez rien fait. Vous pouvez faire quelque chose, puis ça fait 8 ans qu'ils sont en prison. Et c'est vous qui piaillez partout là. Vous pouvez quoi? Doucement. Bouche qui n'a pas de dents ne mange pas de l'eau. Doucement. Vraiment. Mes frères, voilà un peu et terminé sur Grand Bassam. Je vais vous montrer rapidement une vidéo de Grand Bassam. Déjà, je vais vous montrer cette photo. Je vais vous montrer cette photo. Je vous montre cette photo-là. Vous allez voir. Regardez bien l'édifice. Voilà. Regardez bien l'édifice. Regardez bien l'édifice. Voilà. Je vous montrerai la vidéo. Je vais la mettre sur ma page. Après. Parce qu'elle est dans ce téléphone. Elle est sur ce téléphone, je vais la montrer. Maïe va laisser coucher. Je vais vous montrer la vidéo qui est dans ce téléphone. Je vais vous montrer. Et je vais la partager. L'édifice. Patrimoine. La ville de Grand Bassam. La ville de Grand Bassam est classée patrimoine. Protégé, hein, patrimoine par l'UNESCO. C'est comme la ville de Saint-Louis au Sénégal. Pour ceux qui connaissent Saint-Louis, l'histoire de Saint-Louis au Sénégal. Donc, Grand Bassam bénéficie des subventions de l'UNESCO. Grand Bassam est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, par l'UNESCO. Comme la ville de Saint-Louis. Quelles que soient nos appartenances politiques, quelles que soient notre... Comment on peut dire, nos couleurs politiques ou notre sensibilité politique, nul ne peut se permettre d'aller détruire l'histoire d'une ville,
l'histoire d'un pays. Ces monuments de Grand Bassam font partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire avant la colonisation. L'histoire avant la colonisation. Un peuple, un individu qui brûle l'histoire est un homme mort. Voilà. Vous brûlez un patrimoine comme ça pour des questions politiques, des sensibilités politiques, des manipulations politiques. Parce que l'édifice fait partie des édifices qui ont permis à la ville de Grand Bassam de bénéficier de cette reconnaissance et d'être reconnue par l'UNESCO. Donc, on décide d'aller brûler ces édifices-là. Là, tu aimes comme ça la ville. Tu aimes l'histoire. Ce sont des individus comme ça qui se prennent pour des panafricains. Un panafricain qui brûle l'histoire de l'Afrique, tu ressembles à quoi? Mes amis, je vais vous montrer la vidéo. Je ne sais plus on a combien d'heures de vidéo, mais je vais vous la montrer rapidement. Elle dit 6 minutes. Regardez, si vous voyez bien. Bonjour à tous, hein. Bonjour à tout le monde. Je vous laisse découvrir. Hein. Là, je suis sur les lieux. Regardez, tout a brûlé. Je suis sur les lieux d'un bâtiment classé monument historique protégé par l'UNESCO. Donc, la ville de Bassam, je suis à Bassam, je suis à Grand Bassam, je suis venu moi-même constater les dégâts. Les dégâts d'un comportement que je ne peux même pas qualifier, parce que je n'arrive même pas à expliquer comment un être sensé, un être qui se veut intelligent, un être qui se veut humain, parce que nous sommes tous des animaux, oui, mais nous sommes humains parce que nous sommes doués de raisonnement. Je suis sur les lieux d'un bâtiment, le bas celtique, donc qui fait partie des patrimoines de Bassam. Le bas celtique. J'ai vu cette information sur les réseaux sociaux, étant à Bijan. Je suis venu aussi pour ça, pour moi-même constater l'irresponsabilité, la bêtise humaine, le déraisonnement d'un être humain qui brûle un patrimoine. Est-ce que ces gens qui ont ce comportement sont conscients, comprennent ce que c'est qu'un patrimoine? Regardez, il ne reste plus rien, c'est un bâtiment. C'est un immeuble, un ancien immeuble qui date de combien d'années? Ce bâtiment a été démoli, a été rasé et a été mis à feu. Il ne reste plus rien. Regardez, il ne reste plus rien de ce bâtiment. Je vous ferai voir les photos. Hein. Voilà, voilà. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien de ce bâtiment classé qui fait partie des patrimoines, hein, du patrimoine de Grand Bassam. Si Grand Bassam est classé patrimoine, la ville, toute la ville entière, classée patrimoine historique, c'est parce que ces édifices, ces bâtiments qui datent de plus de 50 ans, font partie du patrimoine à protéger. Donc ce bâtiment est à protéger. Dites-moi, je suis choqué, c'est inexplicable. Je suis passé à plusieurs reprises en train de chercher le bâtiment. Pour moi, le bâtiment était peut-être en partie cassé un peu. Non. Le bâtiment est démoli. Il est démoli et, mes amis, dès que j'arrive à Paris, je vous expliquerai en long et en large de cette connerie, de cette bêtise qui a été faite. C'est incompréhensible, c'est impardonnable. Je ne sais pas comment qualifier. Je pense qu'il faut vraiment des poursuites contre ces personnes. On me dit,
va nous expliquer quoi? Quand vous êtes propriétaire d'un lieu, quand vous êtes propriétaire d'un lieu, ce lieu vous appartient. Mais quand ce lieu est inscrit dans le patrimoine mondial, ça veut dire que vous avez bénéficié des subventions des organisations internationales. Vous n'avez plus le droit de détruire ce lieu parce qu'il ne vous appartient plus en réalité. Ce propriétaire qui a, pour des raisons politiques, petites politiques politiciennes, qui a commis ce crime, doit être pourchassé. Il doit être poursuivi par ces organisations internationales qui ont subventionné très longtemps et qui ont apporté beaucoup à la vie des bassins. Je suis dégoûté de voir que... Donc, rien. Voilà. Mes amis, je partagerai cette vidéo sur ma page. Je vais la télécharger, je la partagerai sur ma page. Comme je vous l'ai dit, ça a été un choc pour moi. Je ne m'attendais pas à un crime pareil. Voilà. C'est un crime là. Pour moi, c'est un crime. C'est un crime pareil. Je ne m'attendais pas. Je pensais trouver un bâtiment un peu cassé où quand même l'édifice était là. Non. Le monsieur a envoyé des groupes. La nuit, il a envoyé. Il a soulevé le bâtiment. Les groupes, ils ont cassé. Et tenez-vous bien. Des arbres centenaires. Je ne sais pas. Qui est cet individu et que j'espère qu'il est en train de croupir en prison. Mais vraiment, il n'y a pas d'arrangement politique ni de notable où on va venir trouver des solutions d'arrangement où on dit non, il faudrait faire en famille. Non, la loi doit s'appliquer. Il n'y a pas à faire de famille dans ça là. Ce monsieur, des arbres centenaires. Centenaire, il a taillassé ça comme ça, petit morceau. Pour quelle raison? Pour quelle raison? J'ai une autre vidéo que je vais télécharger après pour mettre. Parce qu'il est 22h, bien 23h. Et que je vais partager avec vous après. Mais vraiment, c'est inexplicable. C'est impardonnable. Il faut que les autorités ivoiriennes soient fermes là-dessus. Parce que demain, les gens vont se lever pour dire il faut une manifestation à Bassam. Oh, Ouattara veut mettre les gens en prison, les enfants de Bassam en prison. Mais ce criminel-là, ce n'est pas un enfant de Bassam. Parce que quand tu aimes Bassam, quand tu es un enfant de Bassam, tu ne commets pas un crime pareil. Il y a plein d'édifices à Bassam. Et tu vas détruire ça comme ça. Pour des questions, des raisons d'appartenance à un personnage politique. Tu détruis tout ça. L'histoire de Bassam. Et ce sont des individus insensés comme ça qui se prennent pour des panafricains. On va sauver l'Afrique. Tu es capable de sauver l'histoire de l'Afrique. C'est l'Afrique que tu vas sauver. Tu es capable même de sauver un enfant pauvre africain. C'est l'Afrique que tu as sauvé. Tu as fini de sauver même Bassam. C'est l'Afrique que tu vas sauver. Il faut que la plaisanterie s'arrête. Il faut que la comédie s'arrête. L'ordre, la discipline, la rigueur, le respect doit s'imposer à tout le monde. Il n'y a pas de raison de laisser des choses pareilles. Ici en Europe, là, on ne peut pas faire ça. Et c'est grave. C'est grave même pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est grave même pour l'image de la Côte d'Ivoire et du président de la République. Quand on accorde des subventions à une ville, c'est parce qu'il y a l'appui des autorités derrière. Il y a le soutien derrière. Il y a la confiance du président. Il y a la confiance de l'État. Tu dis, oui, on est ceux qui vont garantir l'entretien, la protection de ce lieu. Nous accordons. Et vous avez un pépère comme ça qui va se lever pour aller détruire ces monuments. Pour des raisons. Que mon grand-père avait la terre ici avant, ou ma grande soeur ici, ne m'attendait. Ce gars doit être poursuivi. Il n'y a pas d'arrangement. Il peut venir, il n'y a pas d'arrangement. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Je suis allé sur ce lieu pour ça. Et j'attends des manifestations à Bassam. Et j'attends. Il y a encore d'autres vidéos derrière. Des témoignages derrière qui sont là dans mon téléphone. Vous faites des bêtises là-bas, vous commettez des crimes. Et c'est vous derrière les réseaux sociaux. Vous venez avec des propagandes, des massages.
Et vous prenez pour les victimes. Mais qui est victime de tout ça? Moi, je vous dis, je pense que la chance même là. Alassane Ouattara réfléchit comme les Occidentaux. C'est ça votre chance. Parce que chez Sassou Nguesso au Congo là, tu ne peux pas faire de conneries comme ça. Chez Sassou Nguesso là, que ce que tu prends pour exemple, tu des bêtises quand tu ne peux pas faire ça au Congo. Même Bénin qui est Bénin là, tu peux, Béninois ne peut même pas aller pour brûler. Les Béninois protègent le patrimoine. Ils protègent le patrimoine. Au Togo, il ne peut pas faire ça. Au Burkina, il ne peut pas faire ça. Les Congolais qui crient ici partout, là, Kabila était au pouvoir au Congo. On les a vus. Même Bemba qui est sorti, là, il est devenu président même au Congo. Il est devenu président. Ah. On a vu quelqu'un. C'est encore, tu vois, vous pouvez faire des bêtises comme ça. C'est là-bas. Parce que la salle, si ils réfléchissaient comme les présidents, les autres sur le continent, je pense que les bêtises qu'on a, le gars n'allait pas faire ça. Il n'allait pas détruire ce patrimoine-là. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut ça. Il faut vraiment de la rigueur. C'est pas possible. On peut pas jouer à ce jeu-là. C'est-à-dire que donc on va être là, celui qui n'est pas d'accord avec une décision, il s'en va, il brise ce qu'il veut plus l'Asie. Et puis il trouve normal. Et puis on va dire non, bon, si on le touche, non, il faut le sanctionner, il faut le foutre en tôle. Point. La loi va être appliquée, va être respectée. Mes amis, rien que quand je vois ces images, je dis, bon voilà, on va s'arrêter là. Merci à vous tous. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Il est 23h. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, qui l'ont partagée. Merci à tous. Merci à tout le monde. Je suis tellement... Je suis tellement choqué que vraiment, je... Voilà. À vous tous, merci. Et je vous dis belle soirée. À très, très bientôt. On en parlera. Là, on sera autour d'un café citoyen. On va échanger, on va discuter. On va prendre ensemble nos préoccupations. On va écrire ensemble nos préoccupations. On va écrire ensemble nos doléances. Et puis ensuite, des actions de paix. Chacun va porter son idée. Et on mettra nos idées de paix ensemble pour porter ensemble la préoccupation de la diaspora. Et porter aussi la préoccupation à l'ouest de la Côte d'Ivoire, des Ouais. Le gouvernement à l'écoute, le président est à notre écoute, le chef de l'État à notre écoute, le chef du gouvernement est à notre écoute. À nous de savoir exprimer nos besoins, nos doléances, nos préoccupations. Ils sont à notre écoute. Donc à vous tous, merci, belle soirée. Belle soirée à tous. Voilà. Bon, ils sont toujours là, je crois.